Salut à tous, bienvenue en Bretagne pour une nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire ici à Douarnenez. Je vous emmène bosser à la maison Chancerelle en compagnie de Laetitia aujourd'hui. Bonjour Laetitia. Salut Géry. Bah, je suis ravi d'être en Bretagne aujourd'hui avec toi. Oui, moi aussi. Découvrir ton job. Tu fais quoi ici? Je suis chef d'équipe. Chef d'équipe. Et on va mettre des sardines en boîte. On va mettre des sardines en boîte aujourd'hui. La célèbre et fameuse sardine connétable. Et ça, c'est l'usine? Non, ça, c'est le siège. On va aller vers l'usine, vers là-bas. Ok. On va s'équiper. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va mettre la sardine en boîte. D'accord. C'est pas moi que tu vas mettre en boîte, j'espère. Je vais essayer. Normalement, ça ne devrait pas rentrer. Et alors toi, ton job, il consiste en quoi ici? Mon job, il consiste à mettre la sardine en boîte. D'accord. Qui a été étripée juste avant. Ok. Et à manager les équipes qui sont en place. Ah, Laetitia, c'est impressionnant le nombre de sardines là. Ça donne un aperçu de ce qu'on fait dans la journée. Il nous faut 28 tonnes de poissons par jour. 28 tonnes par 28 jour. Tonnes, ouais. Wow. C'est impressionnant. Et c'est ici que tout commence. Là, ils sont en train d'étriper la sardine. On enlève la tête. On enlève la tête, les viscères, et elles doivent remplir les grilles pour qu'elles puissent aller en cuisson avant que nous, on puisse l'emboîter. Ok. Et alors toi, comment tu commences ta journée le matin? Alors moi, je commence par faire mon tour de chauffe, j'allais dire. Commencer à voir comment est le stock, comment va le personnel, leur dire bonjour. D'accord. Ensuite, mon travail administratif, les formations, c'est 60 personnes. 60 okay. Personnes, entre 40 et 60 personnes. Donc, formation, évolution. Formation, évolution, comment vont les gens, okay. Les congés, les évolutions. Pour toi, le management, comment ça se traduit dans la journée? Pour moi, c'est le contact avec le personnel. Ouais. C'est le contact avec le personnel. Forcément, on a des points important comme les points 5. C'est quoi? C'est un point d'information où on donne le déroulement de la journée qui est passée, s'il y a eu des accidents, s'il y a des informations à faire passer, s'il y a des choses importantes aussi dans la vie de l'entreprise. Comme dans une famille, on se raconte la journée de la veille. Et 5 pour? 5 pour 5 minutes. Ah oui, pas plus. Pas plus. Ok. Et il fait bon là dans l'atelier? Oui, il fait bon. On est à température ambiante. Ah ouais, je pensais qu'il allait faire moins 10 moi. Non, on n'a pas besoin vu que. Ah ouais, donc là il fait 20 degrés. Quoi. On est, voilà, donc là, plus couvert que ça. Tout aligné quoi. Tout aligné. Incroyable. Tout aligné et elles ont un sens. Donc on n'est pas serré au fond de cette boîte? Pour l'instant elles ne sont pas trop serrées. C'est après que ça se gâte. C'est après. Tu sais que c'est mon baptême de la sardine. C'est vrai. Alors il faut que tu prennes une grille devant toi. Ouais. Donc comme ça tu la fais glisser. La tournée, comme ça la grille est dans le bon sens devant toi. Allez, je coupe. Voilà, la queue. C'est gras, hein? Oui, c'est gras. C'est de la sardine en même temps. Hein. Et après, on les met en boîte, on les met en quintuple. Voilà. Oh là 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 là. C'est bien ou pas? Non, c'est pas bon. Je vais me faire engueuler. Parce qu'il y a un sens pour les mettre. Ah bon? On appelle ça le côté bleu de la D'accord. sardine, doit être apparent. Ok. Voilà. Et le côté blanc, c'est le côté du vent. Voilà, comme ça, c'est présentable. C'est hyper dur, hein? Ah bah, c'est pas si simple. Hein. C'est une technique qu'on prend des tutrices pour apprendre aux gens à avoir le bon geste et la bonne méthode pour emboîter. Et toi, c'est quoi ton parcours? Tu as fait quoi avant de bosser ici? Avant de travailler ici, j'ai travaillé un peu dans le milieu agricole. Après, j'ai travaillé comme aide à domicile. Comment t'es arrivé ici? Par hasard, parce que j'avais entendu dire qu'ils cherchaient du monde en intérim. Ouais. Donc du coup, j'avais postulé. Et si je t'avais dit un jour que tu bosserais dans l'agroalimentaire ici, dans je la sardine? Je ne pensais pas. Je ne pensais pas parce que ma mère travaillait dans l'agroalimentaire. Ici, chez Chancerelle aussi. Et je pensais pas travailler un jour là où elle a travaillé. Et alors, t'es restée finalement? Et alors, je suis restée finalement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas. Bah, j'étais bien tout simplement. J'étais bien. Et puis, j'ai évolué. Je suis pas restée statique au même poste non plus. Ah oui. Donc du coup, il y avait de la diversité. Il y avait de l'envie aussi d'évoluer. Donc forcément, et comme j'ai eu ma chance dans l'entreprise, bah, je suis restée. Ah ben les voilà, mes sardines. Et voilà. La belle boîte à sardines, après, connétable, voilà. À l'huile d'olive. Et toi, comment tu te vois demain, l'évolution que tu peux encore avoir ici? Pour l'instant, je suis bien. Je viens que de commencer à ce poste-là. Ça fait un an que je suis chef d'équipe. Ah oui. Donc du coup, je me laisse encore un peu de temps de prendre mes marques sur ce poste-là. Et après, on verra dans le futur si vers d'autres directions. Finistère Sud, c'est là d'où je viens. Les deux, comme moi, tu peux commencer en intérim et avoir un CDI et par la suite. Le maquereau, ma recette préférée, c'est celle à la moutarde. Les deux, on a un savoir-faire de 200 ans et des techniques modernes. Bon alors Géry, on va pas partir sans goûter une petite sardine. C'est vrai, on a le droit là? Là on peut maintenant. Allez, génial. C'est celle qu'on a fabriquée? Non, pas tout à fait.
Comment ça, pas tout à fait? Elles n'étaient pas bien rangées, les miennes, c'est ça? C'est ça, c'est ça. J'ai encore besoin de formation. Il faut quand même un petit peu de formation. Il faut au moins 3 semaines avant de savoir emboîter correctement. Pas de problème. Bon, et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici, Chancerelle recrute, n'hésitez pas, postuler. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre Tour de France. Mangez nos sardines. Sont bonnes tes sardines.